bonjour tout le monde, comment ça va? Hey, alors attendez. Voilà, on va mettre sur pause. Bon, ben, bonjour, ça me fait trop plaisir de vous voir aujourd'hui. On est un petit peu à la course avec ce projet que j'ai juste terminé et qu'il a fallu faire les kits et tout. J'ai publié le patron. Les kits, on va les mettre tantôt en ligne, peut-être une heure ou deux après le live. Je vois que j'ai mes petites joues toutes rouges. Donc voilà, j'en suis vraiment, vraiment très contente. Je vais vous le présenter. On a plein de choses à se jaser aujourd'hui. Je vois qu'on est nombreux. J'ai du monde de Chamonix, j'ai du monde de Monaco, j'ai du monde de Portugal. Salut Joanne! Donc coucou, vraiment, ça me fait trop plaisir de vous voir aujourd'hui. Sans attendre, je vais vous montrer sur moi ce que donne ce petit col. Tout le monde est tombé en amour avec à la boutique. Je voulais vraiment un col qui soit près du cou, pas les cols qui bavent. Parce qu'à Montréal, quand il commence à faire très très froid, je peux vous dire qu'on veut qu'il n'y ait rien qui dépasse et on ne veut pas que l'air rentre. Donc je voulais quelque chose d'assez ajusté et en même temps quelque chose de très chaud. Et puis de rapide et de simple à faire, comme ça on peut en faire plein pour tout le monde. Donc je vous présente, voilà, mon petit col première neige. En fait, je me suis vraiment inspirée, voilà, ça y est, mes cheveux de hibou fou qui dépassent. Je me suis vraiment, vraiment inspirée de la semaine dernière, quand il commençait à floconner, puis que la neige se déposait sur la rue. Donc voilà, ça, on voit un petit motif, c'est très délicat en fait, des petites mailles en verre qui commencent à doucement descendre, puis la neige qui commence à s'amonceler en bas. Donc voilà, il est vraiment vraiment très simple à faire, vous allez voir, il y a juste quelques petites techniques qu'on va pouvoir voir ensemble, mais c'est un petit projet, vraiment un petit projet qu'on peut balader partout, aussi simple quelque part qu'une tuque par exemple. Et puis c'est un col qui est complètement réversible, et oui j'ai fait une doublure, voilà, on va rien se... on peut même le replier si on veut, voilà, j'ai fait une petite doublure et puis je me suis gâtée, j'ai fait la doublure avec la Feli de la marque Illimani, qui est un mélange de ultra fine mérino, donc c'est vraiment la laine la plus dans la laine mérino, c'est la laine c'est la qualité la plus douce et qui est mélangée avec 30% de cachemire, donc c'est vraiment c'est la crème de la crème. Et voilà, et quand je vous dis réversible, oups, voilà. Vous le faites si vous avez envie dans deux couleurs différentes, peut-être vos deux manteaux d'hiver. Et puis, hop, ben voilà. Hop, j'ai plutôt envie qu'il soit en gris. Puis c'est pareil, vous pouvez le replier comme ça. Soit du côté où il y a un peu de motifs, soit du côté où il n'y a pas les petits motifs. Mais voilà, il est vraiment, vraiment très simple à réaliser avec les petites techniques que je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Et ça tient chaud. Ouh, ouh, ça tient vraiment, vraiment très chaud. Attendez, on va juste... Claudette qui dit, nous à l'école, les enfants n'ont plus le droit de porter des foulards car c'est trop dangereux pour étrangler les enfants dans les jeux. Ben avec ça, il n'y a pas de problème. Puis en plus, c'est très facile à porter. Ça va pas, souvent, on laisse tomber les foulards parce qu'ils se défont au fur et à mesure autour du cou. Ils tombent dans la rue et tout. Avec ça, c'est sûr qu'il ne va pas tomber. Il est vraiment proche du cou. Il s'enfile facilement. Les montages sont vraiment élastiques. Donc, on ne se retrouve pas la tête coincée quand on essaye de le porter. Donc, voilà, j'en suis vraiment... je suis vraiment très contente, je vous montre le petit motif de plus près, donc c'est vraiment quelque chose de délicat, j'ai pas été chercher très très loin, je voulais vraiment juste avoir cette petite neige qui floconnait puis qui commençait à s'entasser en bas. Voilà, j'avais cette petite image, si vous voulez vous pouvez même le faire sans aucun motif, juste les côtes en haut et en bas et puis tout en jersey. Et vous pouvez même décider d'aller dans la simplicité totale et de faire toute une partie en jersey et la doublure en jersey aussi. Donc c'est vraiment, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, le modifier. Et vous pouvez même vous amuser à broder une partie si vous avez envie. La seule chose, c'est que si vous avez envie de broder une partie, eh bien il faudra le faire avant de rejoindre la doublure. C'est la seule chose, d'accord ? De quoi vous allez avoir besoin pour réaliser le petit col? Eh bien,
on est en train de faire des kits, on s'est bien amusé. Je vais vous en montrer quelques-uns, mais là, je les ai fait travailler beaucoup. Donc, j'ai utilisé trois matières différentes pour faire les kits. Donc, je vous montre, on a fait des couleurs funky, des couleurs moins funky, mais on va avoir besoin de deux écheveaux, deux pelotes de 50 grammes de fingering et la doublure. Donc, soit nous on a pris la Héritage parce que c'est une belle laine et puis le prix est pas très cher, et on a aussi utilisé la Whiskers. Donc peut-être que je vous en avais parlé il y a quelques semaines de ça. C'est un super fine kid mohair avec de la laine, c'est vraiment très très doux, et puis il y a une très très belle brillance qui vient avec le mohair. Donc on a fait des petits kits avec la Whisker. Je vais vous en montrer un autre. Hop. Voilà. Donc j'aime bien le petit côté fluffy de la Whisker. Et puis j'aime beaucoup la brillance que ça. Attendez, je pense que j'en avais pris un autre. Non, j'avais pris que ces deux-là. Mais on va avoir beaucoup de couleurs. On va vraiment avoir beaucoup. Ah si, j'avais pris celui-là. On va avoir vraiment beaucoup de couleurs et beaucoup de matières différentes. Voilà, regardez, celle-là est trop belle avec la couleur Cranberry Chutney. Et puis on a pris la Life in the Long Grass pour aller avec. La seule chose, c'est que quand il y a des petits, changements de couleur dans la fingering, eh bien on va moins voir le motif de petite neige. Donc si vous allez par exemple sur une laine qui est plus chamoirée comme ça, j'aurais tendance à vous dire que c'est pas la peine de faire le motif, on va pas le voir, d'accord? Mais ça va rester vraiment très joli. Vous pouvez garder simplement le décompte au niveau des mailles. Puis, celui que j'ai fait originellement parlant, donc il est fait avec la Félie, donc qui est vraiment une pure merveille, ce 70% de laine mérino ultra fine avec du cachemire. Alors ça, c'est vraiment pour les gens qui supportent pas le mohair ou qui sont vraiment très sensibles. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment comme avoir de la crème contre la peau. Et puis on a pris notre petite Canva, qui est notre petite laine naturelle en fingering. Donc à chaque fois, on vous a fait déjà les écheveaux en double. Et puis, on s'est amusé avec, hop là, on s'est amusé évidemment avec des couleurs vraiment funky, avec les Suri Alpaga brossées qui vont très bien fonctionner aussi. Donc là, on a été dans la Lily and Pine. Donc voilà, pour un petit col, pour les sports d'hiver, souvent, ça, c'est très joli. Mais même si vous avez un petit côté un petit peu plus pop, ou que vous voulez une touche de couleur à l'intérieur, ben ça va être parfait. Donc on s'est amusé pas mal avec ces trois matières. Est-ce que j'en avais un dernier que je voulais vous montrer? Alors oui, on en a fait avec des tons de deux roses. Vous allez voir, on s'est vraiment amusé au niveau des couleurs. Là, on a pris la Beau Fiber avec la Félie dans les mauves. C'est très doux comme combinaison, mais vous allez voir, on s'est vraiment amusé, on a vraiment été chercher partout. Attention, dans tout ce qui est teint à la main, évidemment les quantités vont être beaucoup plus limitées. Voilà, hein, ça va être un peu la seule petite chose. Si vous ne voulez pas tricoter le fil en double, vous pouvez tout à fait prendre un fil diqué. Moi, pourquoi j'ai pris les fils en double au niveau de la fingering? Ben, souvent parce qu'avec un seul écheveau, je pouvais faire tout le col en le séparant en deux. Puis j'aimais la définition, j'aimais bien la rondeur du fil en diqué avec mes deux fingerings. Mais évidemment, vous pouvez troquer pour un fil qui soit déjà un fil diqué, comme par exemple la Ulysse, la Katia 100%, enfin bref, il y a d'autres options. Si vous ne voulez pas travailler avec deux fils fingering, ce n'est pas un problème. Donc ça, vous allez avoir besoin donc de 100 grammes de fingering et puis d'au moins 150 mètres d'un fil diqué pour la doublure. Après, vous allez avoir besoin de quoi d'autre? Eh bien, vous allez avoir besoin d'une aiguille 4 mm.
en 40 cm de circonférence. Le col est complètement tricoté en rond, il n'y a pas de couture, donc vous allez avoir besoin de ça. Et vous allez avoir besoin d'une autre juste pour pouvoir faire la couture en Kitchener Stitch, parce qu'on va mettre la doublure et puis l'extérieur sur deux aiguilles. Moi personnellement, j'ai pris une aiguille 3,75 parce que j'avais pas une deuxième 4 mm sous la main à ce moment-là. C'est pas dramatique. Voilà, hein, vous pouvez utiliser une grosseur d'aiguille qui soit à peu près similaire si vous n'avez pas de 4 mm en 40 cm de circonférence. Vous pouvez aussi tout à fait travailler en Magic Loop. Ça ne va rien changer. N'hésitez pas si vous préférez cette méthode-là. D'accord? Ensuite, de quoi vous allez avoir besoin? Ben, bien sûr, on va prendre ben, un petit anneau repère, hein, on tricote en rond. Donc, on prend un petit anneau repère. Hop, voilà. On va prendre voilà, un petit anneau repère, qu'importe. Et puis, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine pour pouvoir faire les coutures. Donc, ça, c'est vraiment votre nécessaire. Et je reprends. On va mettre les kits d'ici moins d'une heure à peu près sur le site. Donc, c'est ça. Les kits vont avoir différents prix, hein, puisque comme vous avez vu, nous allons avoir différentes matières, puis nous avons des matières qui sont teintes à la main, donc va y avoir vraiment différents budgets dans les kits. Ça va être, voilà, ça va être un peu pour toutes les bourses. Ensuite, je vous avais dit qu'il y aurait les petites nouveautés que je vais vous présenter. Alors ça, je suis vraiment très contente. Vous savez, comme j'aime vous parler de fibres, comme j'aime vous parler d'histoire du tricot, de techniques. Et là, je suis tombée en amour sur un livre qui s'appelle Estonian Knitting. J'espère que ça apparaît pas en inversé. J'ai l'impression que ça apparaît en inversé sur vos écrans. Donc ça s'appelle Le tricot estonien, les traditions et les techniques. C'est un livre qui fait partie d'une série de trois. Donc c'est le premier qui vient d'être publié. Et c'est un travail qui est du musée de... Je vais encore oublier. Bah, c'est un musée estonien. Et je me rappelle pas le nom du musée. Je l'ai écrit quelque part et je l'ai perdu. Donc je viens de les recevoir. C'est vraiment un très très beau livre. Et puis pour ceux qui aiment, c'est vraiment un gros livre. Hein, c'est un bon 200 et quelques pages. Et puis donc comme je vous disais, pour ceux qui aiment l'histoire, vous allez être extrêmement gâtés. C'est vraiment un livre écrit par un musée. Donc avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archives sur une tradition du tricot qui est vraiment très, très, très ancienne. Donc, on a vraiment toutes ces archives de musée qui ont été très, très bien mises en page avec des photos. J'ai vraiment adoré. Vraiment des choses qui vont surtout parler aux tricoteuses. Par exemple, on voit un reste de fragments de tricot. Qui faisait partie d'une mitaine en jacquard et qui date du 13e à 14e siècle. Et à partir du fragment, ils ont recomposé, vous voyez, ils ont recomposé le motif qui était à l'intérieur et ils nous mettent même l'échantillon au centimètre. Alors ça, franchement, faut vraiment être une tricoteuse pour aller chercher ce genre de détails. Donc vous avez plein, plein, plein de détails comme ça. Oups, voilà. Donc vous avez plein de petits détails comme ça, de petits fragments de tricot et avec l'échantillon qui vient avec. Hop. Et quelquefois, mais même souvent en fait, les motifs qui sont représentés puis qu'on ne peut plus voir. Donc ça, j'ai trouvé magnifique. Donc tout un énorme travail. Qu'on peut, et puis en plus, si vous aimez vous inspirer, là vous allez vous régaler. Donc, tout un énorme, énorme travail sur l'histoire du tricot en Estonie et vraiment voilà, vraiment des artefacts, à quoi ça ressemble. C'est absolument magnifique. Donc, en plus de la partie historique qui est quand même vraiment, vraiment très, très, très documentée. Très 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 documenté, que ça soit sur les châles, les mitaines ou les chaussettes et les pulls aussi. Hop, vous avez ensuite ben, tout le matériel qui était utilisé, les fils, les laines, etc. Et après ça, comment, avec quoi ils teignaient aussi la laine, quelles étaient
quelles étaient les plantes qui étaient utilisées, quelles étaient les gammes de couleurs que l'on retrouvait selon les différentes régions ou parties de l'Estonie. Donc c'est voilà comme les îles Muhu. J'espère que je le dis bien. Et après ça, vous avez la partie technique. Et alors ça, moi celui-là, c'est le mien, je le garde, je vais me le savourer à petite tranquillement. Alors autant on commence avec le longtail cast on qu'on connaît à peu près tous, mais après on a énormément d'autres techniques qui arrivent, comme un longtail cast on en utilisant deux couleurs. Allez, là on va se faire plaisir, on va regarder ça un petit peu. Un cast on en faisant directement une petite tresse, un cast on avec des mailles twistées, un herringbone cast on. Alors hop là, ça va vous donner ce genre de choses. Enfin bref, il y en a tellement. Là, tout ça, c'est juste des cast on différents. Donc pour vous dire, on en a vraiment beaucoup. Après, il y a tout ce qui est les bordures. Bon, il y en a tellement, et en plus de tout ça, vous avez toute une bibliothèque de points traditionnels. Voilà, que ça soit sur les côtes, que ça soit sur les motifs. Ah, y a de quoi s'inspirer, moi je vous le dis. Que ça soit sur des motifs de jacquard, ça j'ai vu des choses absolument magnifiques. Vraiment magnifique, hein. Je vous fais passer un petit coup d'œil rapide, mais regardez, il y a de quoi s'inspirer, mais vraiment, moi j'ai regardé ça en buvant mon thé ce matin, j'étais vraiment, vraiment très, très, très captivée. Une technique qui s'appelle le inlay. Alors je ne l'ai jamais pratiqué, mais je suis vraiment vraiment très très curieuse. Donc ça fait un petit peu comme de la broderie, mais c'est du tricot. Attendez, je voudrais que vous le voyez de plus près. Vous voyez, ça donne ça, on dirait comme de la broderie, mais c'est du tricot. Donc hop, ça donne vraiment un très très beau résultat. Et c'est pareil, donc tout est expliqué comment le faire. Puis après, eh bien voilà, on a des petits patrons, je vois des marque-pages, on a plein de petits patrons pour pouvoir le faire. Vous avez tous les types de tresses estoniens qui puissent exister. Voilà, donc franchement, c'est un livre, les petites mailles, les mailles qu'on a traveling stitch, donc c'est pas comme des torsades, c'est un petit peu différent. Mais voilà. Allez, oh là là, il y en a tellement. Évidemment, vous avez tout ce qui est les nopes estoniennes, donc différentes manières de les réaliser, les types de textures que l'on peut avoir dans le tricot. Qu'est-ce que j'avais dit? Un peu de brioche aussi. Qu'est-ce qu'il y avait que j'avais beaucoup aimé? Bon, la dentelle, bien sûr, hein, la dentelle. Et puis, comment la comprendre, comment la tricoter avec les motifs de dentelle d'Échala Absalou. On s'en était pas mal parlé à une époque. Donc, il n'y a pas de patron, d'accord? C'est vraiment, regardez, ça j'adore, petit motif de Muguet. Il n'y a pas de patron en tant que tel, c'est vraiment un livre de technique et un livre de points. Donc ça, c'est... Alors là, j'adore, avec toutes les mailles glissées. Il y a même du faux entrelac. Il y a de l'entrelac et il y a aussi comment tricoter un faux entrelac. Ça, j'ai trouvé ça aussi très, très intéressant. Voilà, ça, c'est le faux entrelac que j'ai trouvé vraiment intéressant. Ils l'utilisent beaucoup dans les poignées de mitaines. Voilà, j'arrive à la fin. Mais ça vous donne une très, très bonne idée. Comment aussi faire, comment est-ce qu'on fait les franges pour débuter les mitaines estoniennes. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai fait un petit peu rêver. Donc oui, tout ça, c'est avec la broche à tricoter. C'est avec la broche à tricoter. C'est pas du crochet. Voilà, c'est vraiment un livre. Oh, c'est un gros livre. C'est un livre qui est assez lourd, hein. Il fait 1,4 kg. Je l'ai posé ce matin pour les expéditions. Il fait 1,4 kg. Il coûte 85 $. C'est vraiment... voilà, c'est un livre...
C'est un livre à chérir. En tout cas, moi, je vais le chérir. Est-ce que c'est un livre pour les débutantes? Je dirais oui et je dirais non en même temps. Oui, parce qu'il y a beaucoup de techniques, c'est très très bien illustré. Maintenant, ça dépend. Est-ce que c'est quelqu'un qui a jamais tricoté puis qui veut commencer? Peut-être qu'il va trouver ça un petit peu trop pointu. Moi, je le réserverais plutôt à des tricoteuses qui sont déjà, déjà confirmées et qui vraiment sont passionnées et intéressées pour apprendre encore plus de techniques et qui ont envie aussi d'approfondir leur histoire. Voilà. Geneviève, 100 g de laine fingering et combien pour le mohair? 50 g, 200 mètres. Attention, ce n'est pas un mohair fin, c'est un mohair diqué. Donc de toute façon, j'ai mis le patron déjà en ligne sur le site. Mais si vous allez acheter le kit, n'achetez pas le patron puisque le kit a le patron qui va être intégré, qui est inclus à l'intérieur avec un lien téléchargeable et la version imprimée. D'accord? Donc ça, c'était pour le Estonian Knitting. Je trouve que c'est vraiment un... En tout cas, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire que je me fais déjà de mois à mois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est arrivé? Puis ça, c'est les petites dernières avant qu'on arrive sur notre technique. Eh bien, j'ai reçu ma nouvelle commande de Firefly Notes. Elle était partie tellement, tellement rapidement. Donc, j'ai reçu toute ma petite commande, des petites boîtes émaillées. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez une wishlist de tricoteuses pour vous ou que vous avez d'autres amies tricoteuses que vous avez envie de gâter, voilà les petites boîtes émaillées avec des petites images vintage pour mettre les anneaux repères, les petits trésors. Eh bien, elles sont arrivées. Moi, je les adore. Regardez, avec la petite baleine, les petites abeilles, je les ai prises parce que nous avons reçu aussi... Alors, je vais essayer de ne pas défaire, de ne pas arracher ça n'importe comment, qu'on puisse le remettre. Alors, j'ai pris les petites abeilles parce que nous avons aussi reçu plein de... d'anneaux repères, donc j'ai les petits anneaux repères en alvéole avec la petite abeille. Donc si vous avez quelqu'un qui adore le miel par exemple ou les abeilles, voilà, ça fait un très bel ensemble. Hop, donc tout ça, ça c'est déjà en ligne, vous pouvez aller voir sur Firefly en tapant anneaux repères ou petite boîte émaillée. Donc il y avait ça qui est arrivé et puis voilà, j'en ai pris des petites cette fois-ci, en plus des grandes, avec les petits moutons. Ah, et les, ah, voilà. Mes petits champignons pour aller, bien sûr, avec les anneaux repères champignons, qui sont les plus beaux anneaux repères, je trouve. Ils sont complètement émaillés. C'est vraiment... Ceux-là, je les adore. J'adore les champignons. Voilà, je vous les avais montrés une fois, c'est les petits anneaux repères avec les bolets, les amanites, les chanterelles et les morilles. Il y en a 8 dans le paquet, donc tous émaillés. Ça, c'est trop joli et évidemment, ça va très très bien avec la petite boîte des champignons. Et hop, 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 rentre-toi là. Et où est-ce qu'il est mon sapin? Ah oui. Ah ah, on va remettre ça comme ça bien. Et puis évidemment, deux saisons, on a le merveilleux roi des forêts. Voilà notre petit sapin. Et pour aller avec, eh bien, vous allez avoir le, hop, 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 le petit kit des anneaux repères de Noël. Alors ceux-là, c'est pareil. Ils sont tout émaillés. Ils sont super adorables. On a le patin à glace, la petite mitaine, hop là, la petite, ouais, attendez, assez blanc donc ça réfléchit, le petit Edelweiss, le petit jet bleu, et voilà, et ça en double. Donc ça, ça va être pareil, très très mignon pour aller avec, avec le petit sapin, la petite boîte sapin, oups. Voilà, j'adore le jet bleu, je le trouve très très beau. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Évidemment, j'ai recommandé, parce que c'est ceux qui sont partis le plus vite, j'ai recommandé les anneaux repères avec leur petite tête de chat. J'espère
j'espère vraiment que je vais pouvoir défaire. C'est bien. Hop là. Voilà les anneaux repères avec les petites têtes de Minou pour aller évidemment avec la petite tête de chat. Vous trouvez pas qu'on dirait Matcha? Hein, elle a ce petit air. En tout cas, elle a son petit air avant de me faire des bêtises, ça c'est sûr. Voilà. Et puis, pour ceux qui veulent plutôt à l'unité, voilà, il y a... Alors ça, je trouve que c'est adorable. C'est vraiment pour rajouter dans un petit cadeau. Vous avez le petit anneau repère à l'unité. Donc, vous voyez, avec le petit... si vous êtes plutôt chien que chat... Voilà, ça c'est adorable à offrir avec la petite boîte qui va avec. Ça va être trop mignon. Le petit... c'est pas un Edelweiss Snowdrop. Et voilà. Et le petit chat avec sa petite collerette victorienne. Donc, hop, tout ça. Voilà. Voilà, donc tout ça, c'est les petites nouveautés qui sont arrivées. Et qui annonce un peu le temps des fêtes. Voilà, voilà. Claudette, pour les kits pour le col, comme je disais tantôt, ça va dépendre les matières qu'il y a à l'intérieur. Puisqu'ils sont faits avec différentes matières, que ça soit mérino, cachemire ou alpaga ou mohair, ils vont avoir des prix différents. Donc, ça va vraiment dépendre lequel kit est-ce que vous allez choisir. Voilà. Donc, ça, c'est... pour les petites nouveautés, j'espère, enfin moi le livre c'est celui qui m'enthousiasme énormément, mais bon, en tant que professeur, ça évidemment, j'espère que, voilà, j'espère qu'il y a des tricoteuses qui vont avoir la curiosité de s'aventurer à l'intérieur. Bon, maintenant retournons à notre col. Voilà, donc retournons à notre magnifique col première neige. Donc, on commence avec un montage provisionnel. C'est un col qui est doublé, mais il n'y a absolument aucune couture. C'est une technique que l'on peut utiliser aussi pour pouvoir réaliser les bonnets après. Donc, c'est vraiment une super, super, super technique. On va commencer par un montage provisionnel et on commence par la doublure extérieure. Donc, on va commencer avec la laine fingering doublée ou avec le diquet, c'est vous qui choisissez. Donc, pour pouvoir faire un montage provisionnel, vous allez avoir besoin d'un crochet qui soit à peu près de la même grosseur que la laine que vous allez utiliser, donc en 4 mm. Et vous allez avoir besoin de votre aiguille circulaire. Donc, on n'a pas besoin de grand-chose en tant que laine auxiliaire. Hein, c'est vraiment une laine qui va être enlevée plus tard, mais vous la voulez contrastante. Vous ne la voulez pas de la même couleur que celle de votre col, hein, sinon il va y avoir des problèmes. Et vous ne la voulez pas trop grosse ni trop fine. Vous la voulez vraiment, c'est indiqué, donc vous la voulez de la même grosseur pratiquement que votre col. Ou vous pouvez utiliser un worsted aussi. On commence donc avec le crochet. On va simplement faire un petit nœud coulant. Donc très simple, hein, on fait une petite boucle avec le fil qui passe, le fil de la pelote qui passe par-dessus. Et ensuite, on rentre le fil de la pelote à l'intérieur, comme ça. Voilà, un petit nœud glissant que l'on va passer autour du cou de notre crochet. Voilà. Donc ensuite... ensuite, on va prendre notre aiguille circulaire. Je vais placer mon aiguille circulaire sur le fil de la pelote, d'accord? Donc le petit fil qui est là maintenant, on s'en intéresse plus, le petit fil de traîne. On va travailler avec le fil de la pelote. Je place mon aiguille dessus et tout simplement, mon crochet va venir prendre le fil en dessous et il va l'incorporer dans la boucle qui a été faite. Voilà, quand ça fait une première maille sur mon aiguille à tricoter, quand c'est fait, tout simplement, je replace mon fil sous mon aiguille et c'est reparti. Je prends le fil, je l'accroche, je rentre à l'intérieur de ma boucle et après ça,
je repasse le fil sous mon aiguille et je recommence. Donc, je prends le fil et après ça, je le passe dans la boucle de mon crochet. Moi et le crochet, c'est pas une histoire d'amour encore. Et après ça, je replace le fil sous mon aiguille. Donc à chaque fois, vous voyez, mon aiguille repose sur mon fil et tout simplement, mon crochet vient prendre ce fil-là et le mettre dans la boucle et je recommence comme ça. Donc vous avez un total de mailles à monter pour un total de 100 mailles avec le fil provisoire. Quand c'est fait, eh bien vous allez simplement couper le fil et regardez bien, une fois que vous avez coupé le fil, vous allez, pour la dernière boucle, simplement, très très simplement, vous tirez. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous tirez et c'est tout, d'accord? Il n'y a pas besoin de rentrer le fil dedans. Vous avez juste à tirer la boucle, ça va se défaire et c'est très bien. Après ça, hop, tadam, après ça, eh bien voilà, vous avez votre montage provisoire dans un fil contrastant. Puis vous allez voir, c'est vraiment un super montage parce qu'il se défait très très bien et puis c'est vraiment ce que vous voulez. Attendez, on va juste raccourcir les fils. Après ça, vous allez prendre les deux pelotes de laine fingering que vous avez et on va tricoter en double. Donc on prend les deux fils. Alors je sais que souvent les gens, ils ont peur quand on leur dit tricoter en double. Les gens qui, oups là, qui n'ont pas beaucoup d'expérience ou qui ont toujours tricoté avec un fil simple, eh bien ça les effraie un petit peu. Eh bien je peux vous dire que c'est tellement simple, n'ayez vraiment pas peur. Donc je suis ici. Je ne peux pas joindre en rond tout de suite, d'accord? Je vais faire un premier rang. Simplement, voilà, je suis là. Je vais tricoter le premier rang. Voilà, et je vais tricoter. Je vais commencer par un rang tout à l'endroit. Quand j'ai fini mon rang tout à l'endroit, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir joindre mon tricot. Alors là, je vais tricoter mon rang tout à l'endroit et en attendant, je vais regarder vos questions. Kirsty qui dit « Wow, c'est moi, je suis estonienne !» Oh, super Kirsty. Oui, on me dit « Ces anneaux repères sont tellement beaux, on pourrait les porter comme petites broches. » Eh bien, j'ai quelqu'un qui m'en a acheté un hier pour le porter en pendentif. Il a pris le petit chat. Kirsty qui dit « Il y a 3 livres au total en ce moment, qui est chaussettes et le troisième, c'est gants. » Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Claudette qui dit « Moi, mes petits-enfants, ils me disent qu'ils ont froid avec leur tuque. » Eh bien, si tu doubles ta tuque de la manière où je vais te montrer avec le col, eh bien, je te promets que ça sera impossible qu'ils aient froid avec une telle doublure. Vraiment, c'est absolument impossible. J'ai toujours fait pour mes enfants des tuques doublées et je peux te dire qu'ils adorent ça et qu'ils ont jamais, ils se sont jamais plaints du froid avec ces tuques-là. Vraiment. La seule chose, c'est que tu vas commencer ta tuque comme je te l'ai montré, c'est-à-dire avec un montage provisoire. Et une fois que tu as fini ta première tuque, tu vas pouvoir défaire ce montage-là et faire une deuxième tuque dans l'autre sens. Je vais faire une toute petite démo pour montrer ça, d'accord? Hop, je vais juste terminer mon premier rang. Oui, je suis d'accord avec toi, Claudelle. La livraison pour le livre est très dispendieuse parce qu'il fait 1,4 kg. Donc, c'est définitivement mieux de le prendre en ramassage si vous êtes sur Montréal. Faut pas oublier que les commandes au-dessus de 100$ pour le Québec, le Canada et les États-Unis, eh bien, elles sont gratuites. Donc, grosso modo, on va vous offrir le livre à ce prix-là. Ma tuque remonte toujours. Quelle est donc la raison, Céline? Alors,
Plusieurs raisons peuvent s'expliquer, Sylvie. Ça peut être parce que ta tuque est trop étroite et ça peut être aussi qu'elle n'est pas assez profonde. Donc, si elle ne descend pas assez bas, eh bien, elle va remonter. Donc, pour pouvoir pallier à ce type-là de problème, être sûr que ta tuque soit assez large, qu'elle soit assez profonde et peut-être faire des tuques avec un revers doublé. C'est quoi le modèle du chandail mauve derrière toi? Eh bien, c'est le... Ah, mon Dieu, il est tellement connu en plus. Ça va me revenir. Ou alors, je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui va nous répondre. Ok, donc regardez, une fois que j'ai fait mon premier rang tout à l'endroit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est à ce moment-là que je prends un petit anneau repère. Alors, comme je suis piquée, je vais prendre un beau petit anneau repère. Voilà. Oh, tiens, une petite tasse, ça va être cute. Donc, une fois que j'ai fait le rang à l'endroit, qu'est-ce que je fais? Je place mon petit anneau repère. Voilà. Regardez, j'ai pris une adorable petite tasse. Et là, je vais pouvoir joindre en rond. Donc, j'ai d'abord tricoté un rang à l'endroit. Et après ça, eh bien, je vais pouvoir commencer à tricoter en côte de 2. Donc, tout simplement, hein, 2 mailles à l'endroit. La première maille était un petit peu lâche, c'est normal, je resserre et tout va bien. C'est le love note, mais oui, merci beaucoup, ça m'a échappé. Donc le pull derrière moi, Sylvie, eh bien c'est le love, non c'est pas Sylvie, enfin bref, c'est le love note. Et le cardigan que je porte, eh bien c'est le uniforme de Anna Fétigue. Donc une fois que vous avez fait le premier rang à l'endroit, eh bien c'est parti, on va faire 6 rangs en côte de 2, donc 2 mailles en droit, 2 mailles en vert sur 6 rangs. Et après ça, hop, donc on commence ici, d'accord? Donc là il y a eu un montage provisionnel, ça se voit plus évidemment. Donc je fais mes 6 rangs, je vais tricoter 12 cm ensuite en jersey circulaire, donc tout en maille en droit. Et après ça, eh bien je vais prendre ma petite charte. Alors j'ai mis les explications écrites, mais personnellement j'ai toujours une préférence marquée pour les chartes. Donc, en plus, c'est une charte qui est très très simple. Le motif se fait sur 10 mailles. Et comme vous avez un total, hop, on va se le... Voilà. Et comme vous avez un total de 100 mailles, ça veut dire... Hop, attendez, on attend que ça focus. Voilà. Donc le motif se fait sur 10 mailles. Comme vous avez 100 mailles, ça veut dire qu'on répète le motif 10 fois chaque rang. C'est vraiment très très simple. Les petits points noirs, c'est des mailles en vert. Donc si je devais lire le rang 1, ça fait une maille en vert, 9 mailles en droit. Et je répète, une en vert, 9 en droit, une en vert, 9 en droit. Donc je lis toujours de droite à gauche, d'accord? Donc une en vert, 9 en droit, 2, 3, 4 tout à l'endroit. Au cinquième rang, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en droit, une maille en vert, 4 mailles en droit. Et je reprends ici. Donc ça fait 5, 1, 4. 5, 1, 4. 6 et 7 tout à l'endroit. 8e rang, 2 en droit, 1 en vert. 5 en droit, 1 en vert, 1 en droit. Et je reviens ici. 2 en droit. Voilà. Donc, franchement, c'est une charte, comme vous pouvez le voir, qui est très très simple à lire. Donc, vous faites les 32 rangs de la charte de Point Fantaisie. Si vous n'avez pas envie d'avoir ce petit point-là, donc si vous n'avez pas envie d'avoir ce petit dégradé, ou que vous avez pris une laine qui est très très chamoirée et que dans ces cas-là ça sert à rien, vous allez tout tricoter en jersey, eh bien vous allez simplement tricoter 32 rangs en jersey. Une fois que vous avez fait les 32 rangs, on va faire 6 rangs en côte de 2 avec toujours le fil doublé et on va couper le fil à une dizaine de centimètres. Quand vous avez terminé ça, vous allez rejoindre la deuxième laine. Donc ça va être la laine de la doublure, ça va être le verso de votre tricot. Et tout simplement, vous allez commencer par un rang tout à l'envers. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un rang tout à l'envers? Eh bien ça va permettre de faire tourner en fait le tricot. Excusez-moi, vous faites un rang tout à l'envers, mais vous le faites tout à l'envers avec la laine de la... avec la première laine que vous utilisez, pas avec la doublure. Donc, on commence, après les 6 rangs de côte de 2, on va faire un rang tout à l'envers avec la même laine, et c'est à ce moment-là que l'on va couper le fil
à 10 cm et rejoindre le fil de la doublure. Là, vous continuez. Donc là, vous le voyez à l'intérieur, mais il faut imaginer que, hop, on fait un petit dessin. Il faut imaginer que avant que j'ai rejoint mes deux tricots, hop, j'ai fait la première partie. Attendez, hop. Ok. Donc, voilà. Donc, que vous ayez un petit repère visuel. Donc, on commence ici avec un montage provisoire. On fait les 6 rangs de côte de 2. Après, vous tricotez le jersey, le motif. Après ça, on a à nouveau 6 rangs de côte de 2. Puis, on a un rang de mailles tout à l'envers. On coupe le fil et on enchaîne maintenant sur la partie, sur la partie avec la deuxième laine. Donc, ça va ressembler à un gros rectangle, d'accord? C'est normal, c'est parfait comme ça, ne vous inquiétez pas. Donc, on continue, mais uniquement en jersey, pour un total normalement de 23 cm. Mais vous pouvez simplement rentrer la bordure à l'intérieur et regarder si vous arrivez à la même hauteur, d'accord? Ça, c'est pas un problème. Si vous décidez... Voilà, donc ça c'est la deuxième partie, puis elle va vraiment être rentrée à l'intérieur, c'est très très simple. Donc vous pouvez vraiment au fur et à mesure de votre tricot la rentrer à l'intérieur pour voir si vous êtes arrivé à la bonne hauteur. Honnêtement, c'est exactement ce que j'ai fait et ça a très très bien marché. Voilà, et quand vous êtes arrivé là, vous vous arrêtez parce que ça va être le sujet de notre dernier cours sur ce sujet-là. Donc, comment est-ce que l'on va les coudre en Kitchener Stitch, comment on va les joindre ensemble. Donc, tout ce qui est le petit domaine de la finition. Qu'est-ce que je dois vous dire par rapport à ça? Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je ne pense pas. Est-ce que vous pouvez le faire plus long? Oui, regardez. Elles sont où mes deux petites pelotes de fingering? Oui. Donc, à la base, le col que j'ai fait, j'ai pris deux petites pelotes de laine mérino de Knitting for Olive et il me reste, j'ai calculé, il me restait 44 grammes. Donc, il me restait quand même pas mal de laine. Donc, on peut le faire plus long et il m'est resté, mais moins, il m'est resté quand même tout ça dans la fêlie. Donc j'aurais pu, je pense, faire 4 cm de plus. Est-ce que c'est nécessaire? J'aurais tendance à dire que non, parce qu'après ça va plisser au niveau du cou. Vous voyez, là vraiment, à moins que vous ayez vraiment un très très long cou, vraiment vous avez tout le cou qui est bien pris. Hop, un petit coup de vent, on les connaît hein, les petits coups de vent. Voilà, on arrive ici. On met la tuque jusque là, normalement, c'est bon, on est bon. Mais je trouvais que personnellement, il était assez haut. Si vous le faites plus haut, il risque de un peu plisser en dessous, sans forcément rajouter autre chose. Pas la peine de rajouter de la chaleur, il y a quand même deux épaisses couches à ce niveau-là. Voilou, voilou. Alors, moi j'ai terminé pour la partie technique et je vais vous écouter pour la partie question. Sur, ça peut être sur ce que je vous ai montré tantôt, sur le livre, sur les anneaux repères, sur les kits, sur le patron. Je suis à vous. Hop, j'essaye de coincer mes cheveux de hiboufou et je suis à vous. Bonjour Dumé de Corse. Je pense que c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui me fait un coucou de Corse sur cette émission. Alors, pour les enfants, quelle serait la hauteur? Alors là, Claudette, tu me poses une sacrée colle. Pourquoi? Parce que par rapport à des enfants, eh bien, si je pense à ma fille de 14 ans, je lui ferais exactement ça en tant qu'ado, c'est la bonne hauteur. Mais après, entre un enfant de 10 ans, un enfant de 4 ans et un enfant de 2 ans, eh bien, on a des coups qui vont être très très différents. Donc là, je t'avoue que je ne peux pas te répondre. Et puis je montrerai sans doute moins de mailles, tu sais, je montrerai un multiple de 10, puisque ton motif est sur 10 mailles. Donc je pourrais, tu sais, pour un enfant, je montrerai plutôt
J'irai sur 80 mailles. Pour des enfants de 4 à 10 ans, j'irai sur 80 mailles, j'irai pas sur 100. Mais je vais peut-être le raccourcir. Je te dirais que je le raccourcirai de... T'sais, au lieu de faire 12 cm en jersey, j'en ferai 6. Voilà, je le ferai plus petit. Alors, si on souhaite prendre un mohair knitting for Olive, il faudrait prendre 3 balles à tricoter en triple. Non, si vous voulez prendre un mohair knitting for Olive, il suffira de le doubler, pas de le tripler. Est-ce que les petites boîtes sont disponibles à la succursale d'Angus? Salut Vicky! Non, elles sont à Guildford, mais si tu veux, tu peux l'acheter en ligne et puis on te l'amènera à Angus sans aucun problème. Est-ce qu'il y aurait un cas pour les aiguilles circulaires de 80 cm ou plus grand pour pouvoir faire un chandail XXL? Il va falloir, Diana, que tu appelles la boutique pour qu'ils te le confirment. Donc, il suffit que tu appelles au 514-903-9665. Et tu peux aussi aller voir sur notre site pour voir si c'est disponible. Merci, Claudette. Voilou, voilou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ressemble beaucoup au Hope Remains. Qu'est-ce qui ressemble au Hope Remains? Ah, tu veux dire le châle? Celui-là, c'est le Sweet Dream. C'est pas le Hope Remains. Le Hope Remains, c'est une énorme bestiole, hein. Il est gigantesque, ce châle-là. Mais celui-là, oh, il date en plus. Oups. Celui-là, c'est le Sweet Dreams. Dans sa version la plus petite, donc c'est le Sweet Dreams de Boohoonits. J'ai toujours aimé le faire, je pense que j'ai dû en avoir. Tiens, d'ailleurs, il irait très bien avec ma tenue. Je dois en avoir fait 3 ou 4 des Sweet Dreams. Alors, quel est le numéro de Guildford? Je vais te l'écrire tout de suite, le numéro de Guildford. Donc, 514 903 9665. Voilà. Ah, j'ai une dernière requête. Là, c'est moi qui vais vous demander quelque chose. Non, Camille, j'ai pas vu le châle du cal d'Halloween. Il faudra que j'aille le voir. Ok, j'ai une petite requête à vous faire. Le 11 décembre, eh ben, c'est le jour de mon anniversaire. Et puis, j'apprécierais vraiment beaucoup, c'est vraiment pas une obligation, mais j'apprécierais beaucoup de recevoir des cartes de mes tricoteuses. Parce que ça fait presque 3 ans que je suis en ligne avec vous, puis ça me tient beaucoup à cœur, et j'essaie de donner le maximum, mais j'avoue que j'apprécierais tellement de recevoir des cartes de bon anniversaire. De partout, si ça pouvait venir du Portugal, de la Corse, de la France, bien sûr du Québec. Voilà, un petit coucou de votre part. Si vous pouvez juste me dire ben, qu'est-ce que ça a pu amener dans votre vie de la chaîne de la Maison Tricotée depuis 3 ans. Voilà, ben, je pense que ça serait définitivement un de mes plus beaux cadeaux d'anniversaire. Puis vous pouvez les envoyer à... La Maison Tricotée, bon ça vous connaissez, hein? La Maison Tricotée, et l'adresse c'est, ben vous la trouverez sur le site, c'est le 751 de la rue Guildford. Et le code postal c'est le H2J1N8 à Montréal, au Canada. N'est-ce pas? Québec. Alors ça franchement, voilà. Si vous voulez, honnêtement, ça me ferait mais vraiment plaisir parce que ben, depuis 3 ans, ben, j'ai plus mes élèves, j'ai pas beaucoup, très peu d'élèves en live, mais j'ai gagné énormément d'élèves à travers le monde. Mais je vous vois pas et puis ben, je suis là avec vous, je vous parle et tout, mais ça me ferait tellement, mais tellement plaisir de pouvoir, d'avoir un lien un petit peu, voilà, c'est ça. Bonjour, votre cardigan a-t-il des motifs? Et non, mon cardigan est très très simple, tu vois, c'est donc une version uniforme du Sweet Dream, une version du cardigan uniforme. C'est vraiment
tout en jersey avec une bordure en point mousse. Donc la date de mon anniversaire, c'est le 11 décembre. Voilà, je suis née le 11-12-1973. 1, 2, 3, me voilà. Donc voilà. Ah, ça me ferait tellement plaisir. Et puis honnêtement, comme ça, je montrerai mes cartes. Si ça pouvait venir de partout, voilà, comme ça je pourrais vous montrer mes cartes qui viennent de partout, ça me ferait tellement plaisir. C'est vraiment pas une obligation, évidemment, vous sentez pas mal si vous avez autre chose à faire, je comprends entièrement, mais c'est ça, voilà, vous êtes des étudiants un petit peu, j'aime pas ce mot-là, mais un petit peu invisible, un petit peu virtuel, et donc j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu tangible entre les mains. Voilà, ça va être pour mon cahier d'enseignante. Voilà, bon, sur ce, il va me rester à vous souhaiter une excellente journée. Je vais aller me dépêcher de finir de rentrer les kits pour le col première neige. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein. Col première neige. Je vais aller me dépêcher de mettre les kits sur le site. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. D'être là, pour beaucoup, d'être toujours là, merci d'être là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous souhaiter? Une belle journée, une magnifique fin de semaine. Bye bye.